des prix Quai des Bulles 2014, un musical en deux actes. Ah, merci, merci. Avec, dans les rôles de Joub, du chœur, et de Gwen de Bonneval, Gwen de Bonneval. Merci, merci. Et dans le rôle de Fabien Vellemain, Fabien Vellemain. Il est extraordinaire. Acte 1, pourquoi changer une équipe qui gagne? C'est vrai ça. Vous vous rappelez sans doute, très cher public malouin, il y a un an déjà, du prodigieux festin des sens et de l'esprit auquel vous fûtes conviés par De Bonneval et moi, quand les prix furent donnés. Notre prestation fut en tout point remarquable, faisant s'évanouir les plus impressionnables. Et c'est donc confiant que j'attendais l'appel de Joub, nous suppliant de nous remettre en selle. Mais l'appel tarda. Je fus donc obligé, légèrement contrarié, d'appeler le premier. Las, au ton de sa voix, mes doutes s'amplifièrent et notre discussion prit vite un tour amer. Tiens, c'est toi, Vellemain. Je comptais t'appeler. Bon, ça va ta maison? Et puis ton potager? Et la santé, ça roule? Et la petite famille? Cayenne, il fait beau et puis le soleil brille. Joub, je t'arrête tout de suite. Je suis un intuitif. Cacherais-tu, par hasard, derrière ce ton plaintif, une info détestable, un monstrueux secret, une valda de l'enfer que tu peines à cracher? Maintenant que tu en parles, recueille ma confession. Vous ne montrez pas sur scène lors de cette édition. En un mot comme un son, vous fûtes admirable. Mais je veux, cette année, un duo bankable. Ah! 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 Ah, mais le vilain mot et le mauvais accent! Honte à toi, scélérat, pour ce vil argument qui aurait cru te voir, toi, céder aux sirènes de la Global Finance et du Worldwide System! Et surtout, sale chien jaune, oseras-tu révéler le nom des traîtres infâmes qui vont nous remplacer? Attends, ne me dis pas. Ah! Mon âme est si seule! Pas la revue dessinée? Mais tu te fous de ma gueule? Cher Fabien, chacun sait, soyons un peu honnêtes, que professeur Cyclope n'est plus trop à la fête. Ce machin numérique, mais ni fait ni affaire. Vous faites et vous ne faites pas du papier, sans en faire. Avec vos quatre albums, mais aussi vos tablettes, on ne sait plus sincèrement où donner de la tête. La revue dessinée, au moins, ils sont clairs. Leur revue numérique est sur les étagères de toutes les librairies, sous sa forme en papier. Enfin bref, au moins, ils en vendent des milliers. Ok, ok, ok. Tu vas sur ce terrain. C'est la guerre que tu veux. Je te crois très malin. Tu vas voir ce qu'il coûte au retourneur de veste. Car je vais, dès demain, sur le site BDGest, créer un beau forum et pourrir ta répute. Saint-Malo, désormais, c'est la cour qui est. Lutte. Mon ami, à la fin, tu prends tout de travers. Et ma motivation est en fait plus sincère. Oui. Car après votre show, l'an dernier, j'ai pensé que le faire à nouveau allait vous fatiguer. Mais non. Si c'est que ça, je peux te rassurer. Car depuis quelques mois, nous avons bien bossé. Cette année, nous serons fantastiques, à nouveau. Tu verrais ma chemise. Tu verrais mon pipeau. Nous allons non seulement faire des rimes à gogo, mesmériser la foule, enchaîner les bons mots, mais aussi, tiens-toi bien, cache ton admiration, proposer au public un final en chanson. Allô, Joub? Oui, tu es là? Ça a coupé ou quoi? La liaison est mauvaise, je n'entends plus ta voix.
Ou peut-être es-tu juste crucifié de bonheur. Dans ce cas, repose-toi, on s'appelle tout à l'heure. Il ne rappela jamais. Et je fus convaincu que Joub avait été intimement ému par la beauté fragile de ce si beau projet. Et que, tout seul chez lui, il se réjouissait. Acte 2, rires et chansons. Il est temps désormais de chanter à notre aise. Je le sens, au public, tu es chaud comme la braise. Commençons par l'espoir, célébrons l'avenir, avec un prix sans sas, qui redonne le sourire à l'heure où nos retraites sont un sujet qui fâche. Et la lettre du rap, un faux pas qui fait tâche. C'est le prix Jeune Talent, qui sera cette année remis à la personne que voici présentée. Cette fille n'a qu'une philosophie, être acceptée en librairie. Quand ses projets se font jeter, elle reste le poing levé, lever la tête, rester l'attaque, aller consulter le snack. La vie ne laisse pas le choix, va béni, ouais c'est comme ça. Faire de la thune, ça lui fait pas peur. Viser la lune, aller saouler les éditeurs. Des nuits gâchées pour tenir les délais. Elle en a déjà fait, il s'agit de Dounia Kaké. Est-ce que Dounia est là? Ah oui, la voilà qui arrive. Bonjour, bienvenue. Bravo. Voilà, tu vas l'avoir le prix. C'est sûr. Pas en douter. Mais Fabien va t'expliquer quelque chose. Alors, es-tu adhérente au snack? Ah, c'est un problème. Mais Dounia est jeune, c'est normal. Elle a des excuses. Ça va être très très simple. Le prix, on va le garder pour l'instant. Marc-Antoine Boisdin est dans la salle. Tu pourras aller le voir après. Un petit chèque de 85 euros, presque rien. Un peu moins si c'est en cours d'année, 42,50. Après quoi, tu reviens à ta carte, tu auras le prix, ça va être super. Je vous propose qu'on l'applaudisse encore. Non, j'ai pas grand chose à dire, merci beaucoup, je suis très contente. Bravo! Merci Dounia, merci. On verra tout à l'heure. Après cette émotion et ce très beau moment, nous allons sans tarder passer au prix suivant. Cette année, nous allons donner le prix Ouest France. Quelle bulle, oh. Un auteur moultement apprécié des critiques et des lecteurs. Ah, les lecteurs. Oh, c'est et le prière remis à Jean Dittard pour la vision de Bacchus aux éditions Bellecourt. Qui donc va venir pour le prix? Mais c'est qui Bellecourt lui-même? Je crois que ça n'étonnera personne. Guy, tu n'as pas ta carte du snack. Enfin. Mais... Fais-moi un gros smash. Bah, je le fais quand même. Mais il est possible de faire des dons. Qu'il s'agisse
de 10, 15 ou 20 000 euros. Qu'importe la somme, c'est le geste qui compte. Qui, Marc-Antoine Boisdin, est dans cette salle. Tu lui feras le chèque à ta convenance. Mais nous lui faisons tous confiance. Après quoi, on donnera le prix. Peut-être que tu as un mot à dire de la part de l'auteur. Ah, l'auteur. L'auteur, Jean Dittard, est en retard. Il n'a pas pu venir. En tout cas, merci à West France, à Saint-Malo, de primer à Nardéchois. C'est très sport et c'est un bon choix. Bravo, Guy. Mais passons maintenant au prix du coup de cœur, fait pour mettre en avant le talent d'un auteur qui est tellement doué et tellement pas banal qu'il mérite, c'est certain, de faire des cartes postales. Les dessinateurs un peu nazes, ceux qui nous ennuient et nous rasent, ceux-là n'auront pas le prix décerné ici. Non, 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 oui, oui, oui. Tu remets quel prix ? Coup de cœur, je prie, coup de cœur. Et fils, dis-moi c'est pour qui ? Attends, je te le décris. Il a le talent, Marcel Uderzo, un disciple d'Étienne Davodeau. Claire Bretéché, Jules Doucet, de Philippe Dupuis, Nicolas de Crécy. Il a le pinceau de Mario Montaigne, un successeur de Lewis Sondheim. Lisa Mandel, Régis Doisel, un Spiegelman, l'auteur de Batman, Scott Jean Estin, Mathieu Webber. Ok. Oui, c'est vrai, pardon, je m'égare. Arrêtons là, sans crier gare. Le prix coup de cœur est remis à Damien Cuvillier. Damien, sois le bienvenu. Alors Damien, tu fais comment ? Est-ce qu'on va te dire un petit peu ? Alors Damien. Très bien, une question. Alors, tu es adhérent au SNAC ? Oui. Oh ! Juste une petite formalité. Et tu as ta carte avec toi ? Ah oui. Ah, elle a été mangée par ton chien. Alors, l'entendons assez souvent cet argument au SNAC. C'est bon, nous avons de l'humour. Nous allons garder le prix. Tu vas retrouver ta carte dans tes affaires. Et tu repasseras pour la voir. Est-ce que tu as un mot à dire pour ce magnifique prix coup de cœur? Je suis très ému surtout. Grand merci à toute l'équipe de Crampons, bon goût, ceux qui sont tous là, et puis surtout à mon complice sur cet album, GG. Voilà. Et voilà, je m'arrête là. Bravo, applaudissez-le. Et le prix de l'affiche. Il arrive, il est là, c'est une consécration pour le lauréat. Ce n'est pas un gros chèque, mais qui pense à l'argent qu'en recevant son prix, l'auteur comme un enfant. Comme un enfant, aux yeux de lumière, qui voit passer au loin les oiseaux, après 18 heures de dédicace. Au festival de Saint-Malo, à Saint-Malo, dansant sur les vagues, les sacs à dos des collectionneurs, belle l'affiche descente des vagues, abandonnée au sable blanc. L'auteur, c'est toi. Non. L'auteur, c'est moi. Non. L'auteur, c'est toi. C'est Guillaume Bouzard. Guillaume, sois le bienvenu. Guillaume, Fabien, petite question.
question, vas-y. Alors, déjà, merci d'être venu dans ton costume de lumière, toi aussi. Guillaume, nous en parlions encore hier, tu promettais d'adhérer à la minute, quasiment. Où est-ce que tu en es de sur ce point-là? Je suis en retard de 2 ans de cotisation. Ouh ah, là, 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 là. Je suis vraiment désolé, le temps a passé si vite. Mais ce soir, tu peux te rattraper avec 2 chèques de cotisation. Marc-Antoine, enfin, tu connais, voilà. Est-ce que tu as un mot à dire ce soir, prix de l'affiche quand même? Oui, c'est... Surtout quand on connaît mon dessin, ça va être quelque chose, je suppose. C'est très courageux de votre part. Je dessine assez bien les mains, donc je vais essayer de m'appliquer là-dessus. Et puis, c'est difficile de dire quelque chose, là, parce qu'il y a du monde partout. J'ai la lumière plein les yeux. Dans le cœur aussi. Des larmes qui vont monter. Enfin bref. C'était magnifique, c'est un festival super. Je ne sais pas quoi vous dire. Je vous aime tous. Voilà. Merci. Bravo, Guillaume. Bravo. Épilogue. Voilà, c'est fini. Dans un an, autant dire, vous nous regretterez. Quand sur la scène, alors, ce sera Montaigne et Jouvray. Oh, voilà, c'est fini. Il est temps d'arrêter, on aura beaucoup ri. Retournons travailler pour payer nos 8% de cotises en plus. Mais nous, c'est fini. La 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 la. La 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 la. Ah, c'est fini. La 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 la. C'est fini et pourtant, vous serez dans le cœur. Quand, dans bien des années, bercé par la chaleur du vieux poêle au charbon, d'un pôle emploi pourri, nous évoquerons l'âge d'or de nos spectacles ici. Mais ce futur à chier n'est pas encore certain. Retroussons vite nos manches et forçons le destin. Oui. Des réformes à la con qu'on veut nous faire gober. En un mot commençant, restons mobilisés. Vraiment.